Retour dans Mardi Politique sur France 24 et RFI. Avec Frédéric Rivière, nous accueillons notre deuxième invité, Hugo Bernalicis. Bonsoir, bonsoir. J'ai cru que j'allais écorcher votre nom, j'ai eu peur, mais non. Député du Nord de la France Insoumise, merci d'être avec nous. Donc la France n'accueillera pas l'Aquarius, pas tant qu'il n'y aura pas une solution. Et d'ailleurs, elle a été une solution européenne, mais elle vient d'être trouvée, puisque le bateau ira à Malte. Comment vous regardez aujourd'hui l'attitude de la France envers ce bateau de migrants ? Déplorable, comme depuis le début de cette séquence avec l'Aquarius. On a vu qu'on ne l'avait pas accueilli une première fois. Et de manière très hypocrite, on laisse le bateau arriver en Espagne. Puis on prend une partie des personnes sur ce bateau. D'ailleurs, une bonne partie ont été accueillies à Lille et ça se passe très bien. Donc pas de difficulté avec ça. Ce qu'on voit ici, c'est qu'on a encore le même axe que la première fois, c'est-à-dire un axe Macron-Salvini. Qui finalement ont la même politique, se renvoient la balle. Et à la fin, ce qui se passe, c'est que l'Aquarius n'est accueilli nulle part et est obligé de trouver Excepté un système Excepté que Emmanuel Macron ne le dit pas, alors que Salvini dit les choses tout fort. Et même, j'ai même envie de vous dire qu'Emmanuel Macron dit le contraire. Il se fait passer pour un progressiste et essaye d'installer un clivage entre progressistes et nationalistes, disant voilà, il y a l'Italie d'un côté et la France de l'autre. Or, on voit que concrètement, dans la politique réelle, des décisions qui sont prises, des actes qui sont faits, Emmanuel Macron est bien l'allié objectif de Salvini et inversement. Tout le monde se renvoie la balle et à la fin, qui est-ce qui trinque ? Les malheureux qui sont sur son bateau et qui sont sauvés en mer et les équipages qui sauvent les gens qui se noient. N'oubliez pas qu'on a eu le record quand même en 2017 de noyés dans la Méditerranée alors que le flux migratoire a diminué. Donc moi, je ne suis pas pour que les gens meurent dans la Méditerranée. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont plus cyniques que nous politiquement. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon souhait. Mais est-ce que la position de la France, finalement, n'est pas la pire de toutes? C'est-à-dire au coup par coup, une fois on accueille, une fois on n'accueille pas, une fois on accepte que le bateau accoste, une fois on demande à un autre pays. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux une position constante, qu'elle soit finalement intransigeante ou qu'elle soit généreuse, mais qu'elle soit claire? Oui, je pense qu'il vaut mieux avoir une position constante. Moi, je suis pour qu'on fasse valoir les principes de la République française et de l'accueil inconditionnel des personnes qui sont dans la détresse, dans la souffrance, qui sont en difficulté, qui traversent comme ça la Méditerranée. Point, voilà. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est soit ça, soit vous les rejetez à la mer. Et donc, ce n'est pas raisonnable de rejeter les gens à la mer. Donc, il faut avoir une position raisonnable. La position raisonnable, c'est d'accueillir ces personnes. Et ensuite, on mène le débat politique pour effectivement répartir la charge sur toute l'Europe. Parce que quand vous regardez le flux migratoire, le nombre de personnes qui arrivent, que vous le rapportez à la population européenne, mais c'est ridicule, c'est 0, quelque chose. Donc, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et n'oublions pas quand même, je vous le rappelle, on l'a dit, je ne sais pas moi, au moins 200 fois pendant le débat immigration et asile, la France est le pays européen qui accueille le moins en Europe par rapport à sa population. Et bien, quand vous regardez la montée des populismes, des nationalismes en Europe, à quelle part vous attribuez à la crise des migrants ? Moi, je pense que... Est-ce qu'il y a un rapport pour vous ? Non, parce que ça peut avoir, enfin ça peut, comment je dirais, être un catalyseur, c'est-à-dire amplifier le mouvement nationaliste. Mais il y a des moments où il y a très peu de flux migratoires et pourtant, le nationalisme a progressé. En tout cas, l'extrême droite nationaliste a progressé. Donc, il y a bien de raison. Oui, la raison, ce n'est pas les politiques migratoires. La raison principale, c'est le libéralisme économique parce que l'extrême droite a repris à son compte une partie du discours traditionnellement porté par la gauche de résorption des inégalités sociales. Et on voit bien que la concurrence libre non faussée, le marché en Europe, a augmenté les inégalités dans chacun de ces pays-là. Après, vous avez le vernis nationaliste, identitaire, ethnique, le vernis parfois xénophobe, le vernis anti-migrant, etc., qui vient catalyser tout ça. Mais clairement, le libéralisme économique est aujourd'hui le principal moteur des nationalistes et de l'extrême droite en Europe. Sur l'Europe, vous êtes favorable à une Europe qui écoute les peuples, qui les respecte, y compris quand les peuples disent « on ne veut plus de migrants ». Écoutez, oui, je pense que la démocratie, elle s'impose à tous. C'est une règle. Mmh. Sinon, si vous connaissez une autre règle meilleure, je suis prêt à apprendre. Hein, mais aujourd'hui, on n'en connaît pas. La démocratie, c'est une méthode de décision. Ce que je sais, c'est que quand on ne respecte pas l'avis du peuple, souverain et avec ses bulletins de vote, on va à la catastrophe. Je vous rappelle le référendum de 2005 qui restait en travers de la gorge d'à peu près tous les Français. On voit les conséquences aujourd'hui d'une partie des Français qui sont contre l'Europe par principe parce que
on n'a pas respecté ce vote de 2005. Or, il y a des raisons d'être contre l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui. Contre l'Europe, ça rime à rien. C'est une construction géographique. On ne va pas bouger le continent de place. Mais on voit bien aujourd'hui que il faut porter ce discours sur une autre Union européenne. C'est déterminant, c'est central pour qu'on puisse retrouver le goût du vivre ensemble. Mmh. Et donc, le problème, c'est qu'on en parlait à l'instant. Non, il faut avec convaincre sur les migrants. Amélie de Montchalin qui était là avant vous, c'est que tous les dirigeants politiques depuis 20 ans ou 30 ans disent qu'il faut une autre Europe. Oui, tout à fait. C'est jamais la bonne. Ouais. Et finalement, c'est toujours un peu la même. Non, mais ça, c'est normal qu'il y ait une discussion politique sur l'objet de ce qu'on veut faire oui, l'Union européenne. Mais vous avez raison de dire qu'à la fin, c'est toujours la même. Les citoyens d'Europe, ils en aient un peu par-dessus la tête. Mais je suis d'accord avec vous. Il faut que ça change. Mais je suis bien d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on a une stratégie, nous, qu'on a appelé plan A, plan B, que les observateurs ont un peu mal analysé, à mon avis, qui est de dire, voilà, on a un programme dans le pays. On a un programme à l'élection présidentielle qui s'appelle l'Avenir en commun, que beaucoup de gens ont vu, ont regardé. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Il y a des avancées sociales pour les gens. Il y a la renationalisation d'un certain nombre de secteurs stratégiques, comme le secteur de l'énergie, le secteur des télécoms, voilà, etc. Toutes des choses que, si on ne remet pas en cause les traités européens, c'est inapplicable. Mais on le dit. Notre programme n'est pas applicable en l'état des traités européens. Alors, donc on est pour renégocier ces traités pour pouvoir appliquer notre programme dans le pays. Ça, c'est le plan A. Et si on n'arrive pas à régler ça au niveau européen, on le fera quand même. Ça, c'est le plan B. On le fera avec ceux qui sont d'accord pour le faire avec nous, parce que dites-vous bien que quand il s'agit de faire du progrès social en Europe, on trouve toujours des alliés. Alors, Emmanuel Macron est en train d'organiser un face-à-face avec Marine Le Pen pour les européennes. Finalement, c'est raté pour l'instant. Ouais, vous n'êtes pas les opposants choisis par Emmanuel Macron. Ça vous déçoit? Ça vous énerve? Non, mais ça m'importe peu de qui Emmanuel Macron choisit comme adversaire. C'est sûr qu'il essaye, je vous l'ai dit, hein, le clivage nationaliste progressiste, on l'a bien vu. Et nous qui nous ressentons comme étant des progressistes, bon, ça nous fait mal au cœur de voir voler ce terme. Pourquoi vous êtes progressiste? L'idée du progrès qu'on se fait à la France insoumise et traditionnellement à gauche, c'est de dire que c'est du progrès social, du progrès humain, du progrès écologique, et que c'est les propositions qu'on fait dans notre programme L'Avenir en commun qui vont dans ce sens-là. Voilà. Et on voit plutôt comme quelque chose de régressif, de réactionnaire, le programme et ce que met en œuvre Emmanuel Macron. Donc moi, je ne le classe pas dans le camp des progressistes. Voilà, c'est tout. Et si le camp des progressistes, c'est qui accueille dignement les migrants et qui n'accueille pas dignement les migrants, alors en ce moment-là, il est vraiment pas dans le camp des progressistes, hein, Emmanuel Macron. Donc, c'est pas tant le fait qu'il veuille choisir Marine Le Pen comme adversaire qui est un problème, que le fait que les mots ne veuillent plus rien dire. Ça, c'est une vraie difficulté, un vrai problème. Après, vous avez vu, il a voulu choisir son adversaire en allant à Marseille avec Angela Merkel pour installer ce clivage. Et sur qui il tombe? Jean-Luc Mélenchon. Ouais, voilà. Alors, si vous en parlez, on va y venir. Parce que Jean-Luc Mélenchon, je me disais finalement, il est un peu dur de loin et doux de près avec Emmanuel Macron. On va revoir cette petite scène à Marseille et on va y revenir juste après. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Si, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Il l'a dit. Vous ne pouvez pas le croire. Non. Voilà. Peut-être une légère exagération. Elle est organisée, cette rencontre? Non. Non. Comme ça. En tout cas, peut-être que du côté d'Emmanuel Macron, c'était organisé, en tout cas voulu, décidé. Ouais. Mais de notre côté, c'était ni organisé, ni voulu, ni décidé. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est que... Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette comédie? Parce que c'est quand même une comédie. Jean-Luc Mélenchon sait pertinemment qu'il a dit... Non, mais laissez-moi juste finir, qu'il a dit quelques heures avant qu'en effet, Emmanuel Macron était le pire xénophobe. Non, la politique menée par Gérard Collomb et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Alors ça, c'est sûr. Emmanuel Macron le sait aussi. Et là, on assiste à des espèces de petits pas de danse, presque minaudants, tous les deux. Oh, mais non, j'ai pas dû dire ça, mais bien sûr que non, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Il y a une espèce de connivence très étonnante. Non, je suis pas sûr. En tout cas, si vous pensez qu'il y a de la connivence, c'est une mauvaise lecture des choses. Vous savez ce que les gens se disent? Jean-Luc Mélenchon, il s'est déballonné devant Macron. Si vous voulez, si c'est votre analyse, votre interprétation... Je ne fais pas une analyse, je pose une question. Une question analytique. Je pense que ce qu'on avait à cœur, ce que Jean-Luc Mélenchon avait à cœur, c'est de ne pas faire d'esclandre avec le chef de l'État. Parce que vous savez, et vous le savez encore mieux que moi, qu'on présente souvent Jean-Luc Mélenchon comme étant violent, exagéré, etc. Donc il ne voulait absolument pas renvoyer ce message-là, parce que ce n'est pas le message qu'on a envie de renvoyer, point. Ce ne sont pas nous les violents, depuis l'affaire Benalla, c'est bien
bien, de toute façon, les gens en ont pour leur compte. Donc, voilà, c'était ça. Alors, peut-être que du coup, il a pu paraître un peu trop en retrait, trop sympathique avec Emmanuel Macron. Et oui, la politique d'Emmanuel Macron... Attendez, oui, la politique d'Emmanuel Macron est encore plus xénophobe que la précédente, qui est dans la continuité de ce qu'avait fait Valls en 2016, avec sa loi aussi, qui prévoyait de moins accueillir, moins bien accueillir les exilés et les réfugiés. Alors, c'est vrai qu'on a fait un petit pas de côté, parce qu'on était en train de parler toujours des Européennes. Je voudrais, moi, vous poser une question sur... En Allemagne, vous avez vu que une dirigeante de Die Linke, qui n'est autre que l'épouse d'Oscar Lafontaine, qui avait créé Die Linke, dont votre patron Jean-Luc Mélenchon s'était inspiré pour créer votre parti. Comment vous expliquez-vous cette mutation idéologique de Die Linke, enfin d'une partie de Die Linke, et est-ce que ça pourrait vous arriver? Devenu le parti anti-migrant. C'est devenu le parti anti-migrant. Il y a deux questions en une. Je pense que ce sur quoi vous faites allusion sur les changements, c'est le procès qui a été fait à ce mouvement qui s'est créé en disant ils reprennent les rhétoriques de l'extrême droite, anti-migrants, et se positionnent en anti-migrants, etc. Bon. La même chose qu'on a tenté de faire avec la France insoumise depuis trois semaines. Sauf que qui vote, que ce soit à l'Assemblée en France ou à l'Assemblée en Allemagne, contre les lois? Qui vote contre les lois qui viennent réduire la capacité d'accueil dans les pays? Qui vote contre les lois qui diminuent le champ de ce qui permet d'avoir le statut de réfugié? C'est nous qui votons contre ces lois des gouvernements qui sont réactionnaires, que ce soit celui de Merkel ou celui de Macron. Et après, on vient nous faire le procès de ne pas vouloir accueillir les personnes migrantes. Non, tout ce qu'a dit Sarah Wagenknecht, vais essayer de correctement le dire, j'ai jamais fait allemand dans ma vie, donc bon voilà. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit juste que quand vous avez une population migrante abondante dans votre pays, le patronat l'utilise pour tirer les salaires vers le bas. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ça? Donner des papiers à tous les travailleurs sans papiers, parce que comme ça, ils ont les mêmes droits que les nationaux. Point, voilà. Et cette analyse-là, elle a toujours été traditionnellement celle de la gauche. Même Jean Jaurès disait des choses comme celle-là. Bon, j'ai pas de difficulté avec ça. Et avec ça, vous ne faites pas monter, vous ne donnez pas un coup de booster extraordinaire à l'extrême droite? Non. En donnant des papiers à tous les sans papiers? Non. Ah bon? Mais non, mais je viens de vous expliquer pourquoi. Parce que si vous ne faites pas ça, alors vous avez deux catégories de travailleurs. Les sous-travailleurs qui sont des personnes migrantes ou exilées qu'on va payer au lance-pierre et qui vont tirer vers le bas les salaires des travailleurs nationaux. Ça, voilà, ça demande une espèce de prise de conscience, enfin pour adhérer à cette idée, une vaste réflexion, l'allemand ou le français vont aussi les choses au pas de sa porte. Mais je ne suis pas pour être dans la démagogie et le raisonnement simple, je suis pour expliquer les choses. Et oui, même si c'est à contre-courant des idées dominantes, de ce qui est véhiculé à la fois dans l'hémicycle, à la fois par le gouvernement et à la fois dans un certain nombre de journaux. Mais je vous conseille quand même l'article de Libération qui a été fait de vérification, y compris dans les traductions qui sont faites du mouvement en Allemagne, de bien vérifier que non, il ne s'agit pas de reprendre la rhétorique ou les mots de l'extrême droite, mais absolument pas. Par contre, là où il est vrai, vous avez raison, la deuxième partie de votre question, il y a une mutation au sein d'un certain nombre de députés et de responsables politiques chez Die Linke qui vise à changer de stratégie. Effectivement, il n'y a pas resté dans la stratégie de latéralisation gauche-droite classique, mais bien à sortir de ces stratégies-là pour adopter la stratégie qui est celle de Podemos en Espagne, qui est celle de la France insoumise en France et d'un certain nombre d'autres mouvements, qui est d'instaurer une latéralisation entre le peuple et l'oligarchie, d'une nouvelle latéralisation qui finalement est beaucoup plus opérante pour convaincre. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas une porosité idéologique entre les extrêmes? Non, je ne crois pas. Ce qui s'est souvent vérifié. Non, ça ne s'est jamais vérifié, premièrement. Non, mais ça ne s'est jamais vérifié. Je vous mets au défi de me trouver une étude qui vérifie ça. Et même les dernières études d'analyse sociologique des électeurs au point de la France insoumise et de l'extrême droite, du Rassemblement national, par exemple, vous n'avez pas de porosité entre ces deux électorats sur les priorités qu'ils mettent en avant, de ce qu'il faut régler. D'accord. Donc voilà, après, est-ce qu'il y a un électorat qui est perdu et qui est allé voter pour le Rassemblement national ou pour l'extrême droite par dégoût de la politique en général, ou parce qu'il y en a ras-le-bol, ou parce qu'on leur dit regardez, c'est ce parti-là qui va mettre la table sans dessus-dessous et c'est le seul, et donc qui sont allés vers ces votes-là. Mais c'est à cela qu'on doit s'adresser, et puis dans les pays respectifs, aux abstentionnistes, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux partout en Europe. Mais votre idée selon laquelle régulariser les sans-papiers pour qu'ils aient les mêmes droits... Les mêmes droits que les autres, c'est postuler que la préoccupation, on parlait des Allemands, mais ça peut être ailleurs, elle n'est que économique ou sociale et qu'elle n'a aucune dimension identitaire. Or ça, rien n'est moins sûr.
Bah écoutez, en tout cas, nous, on ne souhaite pas que ce qu'il y ait une dimension identitaire. Oui, en tout cas, c'est ça, pas... vous pouvez être dans le vœu pieux, mais... Non, parce que quand même, pour le coup, la France a cette spécificité d'avoir fait une petite révolution en 1789 qui a réglé un certain nombre de choses et que, de dire que le contrat en France n'est pas un contrat ethnique, un contrat religieux, de vivre ensemble, etc. C'est un contrat politique qui s'appelle la République, liberté, égalité, fraternité. Et si on renonce à faire vivre ça, alors oui, on va avoir des replis identitaires, communautaires, et ce sera ça le moteur de la suite des événements. Je ne le souhaite pas, et donc je pense que oui, le modèle d'intégration républicain, avec l'école républicaine, avec les services publics tels qu'ils sont faits, l'égalité des droits, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui fait que on ne renvoie pas les gens vers leur ethnie ou vers leur communauté. Et ils se sentent d'autant plus intégrés. Vous savez, les personnes qui ont été accueillies à Lille de l'Aquarius ont acheté des t-shirts de l'équipe de France après la victoire de la Coupe du Monde. Bon, ben voilà, je pense que c'est... Ils remercient la France de les accueillir, de leur laisser leur chance, etc. Et ils ne sont pas là en train d'être dans leur communautarisme, je ne sais pas quoi. Et pourquoi ils peuvent se sentir français? Parce que pour se sentir français, il faut adhérer à liberté, égalité, fraternité. Point. Et Coupe du Monde. Ouais. Hier, Jean-Luc Mélenchon était en Grande-Bretagne à Liverpool pour rencontrer Jeremy Corbyn, le patron du Labour. Ouais. Est-ce que Corbyn est en quelque sorte un exemple? C'est comme si vous, ou comme si Mélenchon reprenait le Parti Socialiste? Oui, bah après, chaque pays a ses trajectoires, ses histoires. De toute façon, à partir du moment où vous voulez faire un copier-coller de ce qui se fait dans un autre pays, c'est voué à l'échec. Parce que l'intelligence politique, c'est aussi de s'adapter à sa propre histoire dans son propre pays. Bah, il avait essayé de faire Die Linke, Mélenchon, il n'a pas réussi. Mais on l'exemple de Die Linke, c'était il s'est inspiré, il n'a pas pu le faire. Oui, on s'est inspiré, mais vous faites bien de dire inspiré, on n'a pas fait Die Linke. Parce que c'est pas pareil, Die Linke s'est fondé en tant que parti sur d'autres morceaux de parti précédent. Absolument. En France, on a fait le parti de gauche, puis on était rejoint par le parti communiste, puis la gauche unitaire pour faire le front de gauche. Donc c'est un autre type de construction qui a répondu à d'autres aspirations. Donc faire un copier-coller, ça ne sert à rien. En plus, le contexte ça politique... Ça peut vous donner des idées. Mais bien sûr. Le PS est un peu... Mais bien sûr. Pourquoi marginal, croyez-vous qu'on a fait le mouvement et maintenant le peuple? S'il fallait une raison pour dire que oui, nous sommes pro-européens, au sens où oui, nous sommes pour la coopération entre les peuples d'Europe, nous avons lancé ce mouvement avec Podemos, avec le bloco de Esquerda au Portugal, avec les pays de rouge et vert, les partis rouge et vert du Nord, et on partage des expériences. On dit, ben voilà, nous, chez nous, on a plutôt mis cet axe politique-là en avant. On a plutôt mis en avant la fraude fiscale. On a vu que c'était plus opérant, que ça mobilisait plus largement. Et on partage ça. Et du coup, on en arrive à des campagnes communes. Donc oui, il faut faire de l'échange avec Jeremy Corbyn. Il faut faire de l'échange avec Bernie Sanders. Il faut faire de l'échange avec Pablo Iglesias. Il faut échanger et discuter en Europe parce qu'on a besoin d'une alternative. Pas juste en France, je vous l'ai dit, mais dans toute l'Europe. Donc Manuel Valls, maire de Barcelone, ce serait bien? Bah, moi, j'ai envie de dire spontanément, bon débarras, hein, voilà. Pas gentil. Et puis, bah écoutez, j'ai pas envie d'être gentil avec Manuel Valls. Hein, il nous a infligé suffisamment de souffrance comme ça dans le précédent gouvernement pour que je sois pas là pour avoir des mots doux pour lui. Non, juste, j'aimerais deux choses. D'une part, que s'il va candidater à Barcelone, qu'il le fasse pas avec les moyens publics de ses différents mandats en France, premièrement. Et deuxièmement, si en plus les Espagnols pouvaient lui infliger une cuisante défaite, il nous rendrait un fier service. Histoire qu'il n'ait plus rien, quoi. Oui, bah ouais. Voilà. Oui, mais non, mais comme ça, la défaite serait totale. Il retournerait à son score au sein du Parti Socialiste initial, qui était de faire 4-5%. 5%. D'un mot, sur la PMA, la procréation médicalement assistée, le Conseil national d'éthique a rendu un avis positif aujourd'hui. Vous n'êtes pas inquiet de ce vers quoi ça peut conduire si on autorise les femmes lesbiennes ou les femmes seules à avoir des enfants ou non? Toutes les femmes. Oui, oui. C'est comme ça que c'est rendu dans l'avis du Conseil. Hein. Est-ce que ça n'ouvre pas la porte quand même à terme à une revendication des hommes seuls ou des hommes homosexuels qui diraient ben, nous aussi? Je ne sais pas si ça ouvre la porte à ça. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'était dans le programme L'Avenir en Commun, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, donc il serait peut-être temps qu'on avance sur le sujet si tout le monde est d'accord. Les sondages d'opinion semblent indiquer que la majorité des Français y sont favorables. Donc voilà, il faut avancer vers la PMA pour toutes. C'est tout. Mais pas la GPA? Non, pas la GPA, parce qu'on a les mêmes réserves que beaucoup d'autres organisations politiques sur la marchandisation potentielle des corps. Mais attention... Non. C'est terminé.